minutes passées d'une minute sur Life Radio. Vous suivez bien sûr le Grand Show. Le Grand Show, vous connaissez votre rendez-vous de la descente. C'est bien sûr tous les soirs, du lundi au vendredi. Vendredi, 18h-20h sur Life Radio. Avec la team show de Ricky, modérateur, Guy Pacam, se bien localisé sur la FM afin de vous accompagner pour votre descente, bien évidemment. Voilà, et ils sont là, gonflés à bloc, afin de vous servir le meilleur. C'est bien sûr modérateur. Bonsoir, Molé. Oui, bonsoir, Guy Pacam, Somian. Actuellement, nous sommes en direct du studio. Ok. C'est pas football, c'est pas Ricardo Zama. D'accord, très bien. Ricky, bye. Yeah, ça va super bien. Nous sommes gonflés à bloc. On est prêts à faire poum. Ouais. On va exploser. Jusqu'à 20h pour votre plaisir. En tout cas, merci de nous écouter. Explosion, ma foi, positive. Yeah, parce que, voilà, explosion, autant pour moi, de joie, de gaieté, voilà, de bonne ambiance. Mm-hmm. Dans ce chic divertissement, votre talk show de la descente. Et bien sûr, le Grand Show! Musique sur la radio, yeah! Voilà, vous l'avez remarqué, chers auditeurs, nous sommes en compagnie de Dinako Plaisy, ex-manager de Bébé Sans Ross, également de manager confirmé, ex-manager de DJ Congélateur, présenté royalement par modérateur. Ici, quand on dit Abby, on répond, faut prendre ton tabouret. Abby, faut prendre ton tabouret. Eh bien, aujourd'hui, on va donner la définition de confirmé. Et puis, on va vous donner une petite définition aussi de Dinako. Dinako. Voilà, eux-mêmes, ils savent pas. D'accord. Confirmé, par exemple, on va prendre lettre par lettre. Ok. Confirmé, c'est couler comme le Titanic en bas de l'eau. Telle était la vie de l'enfant de Brobo. C'est ton village, non? Oui, c'est mon village. Ah, ok, d'accord. Oh, oublier son amour pour la musique pour devenir manager d'un congélateur. Mm. Et au moment où l'eau s'est glacée et il voulait boire net, il lui a arraché le bidon. Eh non, Dieu ne l'a pas oublié. Il a transformé son poulet en quelqu'un. Donc, le jour où vous vous promenez, vous voyez un poulet porter chaussures, quelque part, ne soyez pas étonné. C'est ça. Ok. F. Forcé, Fali, Poupa et Lil Wayne vont déposer pour l'étoile montante du coupé décalé. Ivoirien, son buzz ne dure pas plus de 3 jours. Donc, si tu vois quelqu'un, qu'après son buzz, on continue de parler de lui, c'est qu'il a travaillé. Sinon, tonton Kwaku a fait buzz dans le pays qui est là. Alors, redevenir manager de DJ Congélateur, si tu lui demandes, il te dira jamais. Oui, mais il n'est pas le seul. Même Bébé Sans demain a dit dans un proverbe, lorsque le lion baille, lorsque le lion fait peur. M, mannequin, tel est son nom, tel est son nouveau style et tout le pays en parle. E, États-Unis, le pays de Long Sam s'apprête à l'accueillir et c'est pas Aziz 47 qui me dira le contraire. Voilà. Yeah. Maintenant, on va passer à Dinako. D'accord. Pour Dinako, c'est plus un jeu de mots. Okay. Parce que Dinako, lui-même, il sait pas que son nom même signifie quelque chose en baoulé. Ah. Parce qu'en baoulé, on dit Dinako. Ah. Vous avez l'image. Mangez pas. C'est-à-dire qu'il faut manger toi, parti. Est-ce que ton nom là n'a pas agi sur toi et tu as mangé quelque chose, c'est Bébé Sans demain, vite, t'es parti pour le laisser. La question reste posée. Hein. Ah. Abby, prends ton tabouret. Voilà, je viens comme ça de présenter nos deux invités. Yeah. Donc en vrai, c'était pour démarrer déjà. L'histoire a commencé à Mont. Oui. La rencontre avec Bébé Sans, comment s'est passé? Donc, nous sommes tous des mois, hein, comme le vieux père l'a si bien dit. Et souvent, quand il y a les festivals, on se voit là-bas. Je pense que ça fait 2 ans de cela maintenant, puis on se voit dans un festival. Ok. Voilà, nous sommes tous fils de mains. Oui, c'est là-bas ça, on l'a compris. Voilà. Mais comment est-ce que toi, vous n'êtes pas parenté? La rencontre se fait comment? On est un peu parenté, mais c'est après que j'ai su ça. D'accord, mais comment vous êtes rencontré? J'ai mes petits qui sont à Mans là-bas. Et moi, j'ai décidé de former une team qu'on appelle la team Dinako. Et dans cette team, il y a des artistes. Okay. Comme moi, okay. J'essaie de épauler aussi. D'accord. Et Besson nous a approché pour dire à Dinako, il est rentré dans la team. Il lui a dit d'accord, il n'y a pas de souci. Et quand il y a mes prestations à Danané, tout le pleu, dans toute la zone, je vais avec toute la team. Ah,
Même si on dit non, bien de moi seul, il va tout le monde, il paye chambre d'hôtel de chacun, et puis on essaie de se chercher sur le terrain. Il y a longtemps tes abats de requins. Il y a longtemps tes abats de requins de mort. Oui, oui, c'est ça. Ou bien bon, ouais. C'est le truc, c'est le c'est Dinako plaisir d'être une montagne. Et moi, j'ai envie de dire, en vrai, si on te demande, parce qu'il y a le coach qui est là, il doit aussi intervenir, mais si on te demande aujourd'hui, qu'est-ce que toi tu penses avoir, tu vas me dire, apporté, mais vraiment concrètement dans la carrière de Bébé Sans Os, tu dirais quoi? Bon, moi, je peux dire que c'est les deux mains qui se lavent dans la vie. Voilà. Il m'a apporté un plus. Moi aussi, j'ai apporté un plus. Et puis voilà, c'est tout, quoi. Donc, voilà, ma coach. Oui, mais, oui, oui. Maintenant okay. Moi, nous, on veut savoir qu'est-ce qui s'est passé au juste. Hein, depuis ce parcours, vous avez commencé à Mans, vous êtes arrivé à Abidjan. Vous avez fait quelques années ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, il y a eu cette division. Aujourd'hui, où vous voyez la lumière là, qui jaillit sur vous, vous séparez? Bon, moi, en tout cas, sincèrement dit, je connais l'artiste. Et ce n'est pas sa première fois de me dénigrer. Devant les chaînes télé et puis à la radio aussi. J'ai toujours accepté ça, mais où ça va dans la convocation et puis il y a les gens autour aussi qui essaient de le pomper de gauche à droite là. Ah ouais? Je pense que si je vais rester là, c'est que moi-même j'ai aimé créer des problèmes. Donc, raison pour laquelle moi-même j'ai décidé de me mettre. En fait, pour rappel, pour ceux qui ont raté l'épisode de la division, il y a eu des histoires d'argent entre l'argent, vous. Des convocations. Convocation, il allait porter plainte parce que il dit que tu lui aurais porté main, ce que tu es venu, tu as démenti. C'était pas vraiment le cas. Bon, au final, ça fait que vous êtes disputés. Ouais. Quand on est arrivé chez Willy, Soula va pas là. On essaie de régler la situation, mais les choses ne sont pas passées comme prévu. Donc, Manal a confirmé, moi, j'ai envie de te demander, quand tu pousses un gars aussi loin, que tu le fais connaître, tu mets la lumière sur lui, et puis, du jour au lendemain, tu as l'impression que la reconnaissance ne vient pas derrière. Comment toi, en tant que manager, comment tu te sens? Et toi, dans ton cas en particulier, comment tu as vécu cette période-là? Franchement, tu te sens tellement mal. Parce que quelqu'un qui a travaillé avec lui jusqu'à vous avez fait tout, et puis un coup, quelqu'un vient vous séparer là. Ça, vraiment, ça fait très mal. Ça fait très mal. Faut que toi-même, là, tu dois être bon pour que non. Parce que, on dit, tu es toujours avec lui, vous faites vos petits boulots, vous faites vos voyages, les petits trucs. Et puis, un coup, quelqu'un vient stopper ce coin. Ça veut dire, toi-même, c'est maintenant, toi-même, tu vas venir apprendre. Mais on sait que, le cas de mon frère, lui, il savait chanter, tout le monde savait que c'est lui qui chantait pour Bébé Sans Os. C'est lui qui chantait pour Bébé Sans Os. Ah ouais? Tu vois, non? Ça veut dire, c'est lui-même qui était comme genre. Mais ça, le mentor de l'artiste. Okay. Oui, tu vois. Yeah. Donc, c'est pas quand tu sais pas ton artiste comme ça avec quelqu'un vous séparer comme ça, là, ça vraiment, ça fait mal. Il y a eu un complot aussi comme toi. Il a subi un complot aussi. Oui, mais c'est la même chose. C'est un complot. Bon, moi, je peux dire l'artiste, c'est quelqu'un, on peut le manipuler un peu facilement. Mais s'il a pu aller jusqu'au commissariat pour porter plainte, c'est que c'est quelqu'un qui l'a accompagné. Et quand je me suis rendu là-bas, on m'a bien dit la personne qui l'a accompagné. Donc je pense que c'est un complot. C'est qui? Voilà, il est avec des jumelles à chaque fois dans ses directs et autres, tout ça. Des jumelles, c'est deux filles. Souvent, il vient avec des filles ici, à Live TV ici, pour les émissions. À les jumelles. Voilà. Et il dit ses soeurs. Pourtant, moi, il connaît ses soeurs. Sa famille, ouais. Il connaît toute sa famille. Il connaît ses frères et soeurs. Jamais de la famille. Ce sont ses chéris. Mon vieux, on s'est connu au quartier là-bas. Souvent même on attend d'aller direct de gouverneur Bezeman, il parle des jumelles, les jumelles vont régler ça. Mais écoutez, depuis un certain moment, est-ce que vous avez remarqué que depuis que l'artiste, il ne fait pas ça pour le dénigrer, mais depuis un certain moment, quand il vient sur les plateaux télé, est-ce qu'il me dit merci? Il cite le nom des jumelles, il cite le nom de son parrain, et puis ça s'arrête là. Okay. Il ne dit plus mon nom. Mais moi, ça ne me dit rien. Donc tu ressens de l'ingratitude Mon vieux, moi je suis mal placé pour juger l'homme, sincèrement dit. Moi il me dit c'est Dieu qui juge. Il ne peut pas dire qu'il est ingrat. On s'est rendu service et j'en ai marre, j'ai décidé de me mettre à côté. Ok. Manage a confirmé sur le son de Lil Wayne aujourd'hui pour sa future collaboration avec Lil Wayne. C'est maintenant dans le grand show. Manage a confirmé. Let's go, man. Hey. Tu connais pas, va demander. Je m'appelle Mananja, confirmé. J'entre sur le beat. Mon artiste, c'est. Il va rumer. Tu connais pas, mon ami, va demander. Je m'appelle Mananja, confirmé. Mais pas ma mélodie. J'ambiance tout terrain. J'entre de tout sous tout. Tu connais pas, bam. Je vais couper des galets. Mais vas-y. J'ai chanté de la bida,
Vas-y, et ni le ouais, même il va déposer. Ni le ouais, tu vas déposer. Ni le ouais, tu vas déposer. Ni le ouais, tu vas déposer. Tu connais pas, tu m'as testé. Voilà, moi là, je vais en train de m'envoler sur la maison. Mélodie, mélodie. Hey, il veut ribérer, dit bogo, dongo, dongo, sagba, crolo, my king, go, go, manago, sam, bango, be, semete, cho, 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 sebedem, begon, bego, bego, man, sebedem, sanson, check in, togo, dong, my chair. Hey, hey. Mon artiste, prends un peu d'eau. T'entends, Dougou. C'est le beat, le beat, oh. C'est le beat de Lil Wayne, oh. On s'exprime, on chante pour lui. Mon adieu, mon fumé. Dinago, dinago, plaisir. On chante pour vous faire plaisir. Oh, sur le beat des rapports, 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 pom, 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 Tu ne t'aimes pas quel Dieu t'aime pour brand comme ça. Tu ne t'aimes pas quel Dieu t'aime pour brand comme ça. Tu ne t'aimes pas. On dirait sur la page de Life Radio, Facebook, www.liferadio.ca. C'est la tuerie dans ce studio, tuerie musicale, franchement, belle ambiance, tous en compagnie de Manam Dja, confirmé, également de Dinago, please. Hello, hello, hello. Yo man. C'est chaud par ici, yo man, yeah. Man. You know, tu as tué quoi, c'est top. C'est top, tu as tué. Ok, les gars, nous allons amorcer un autre virage, ça s'appelle le tabouret chaud. Tabouret chaud, ok. Là, et qu'on a fait la situation chaude, toi tu as dit que si tu gagnes 25 millions, tu as donné 10 millions à Willy Dombo. Oui. Mmh. Willy, pardon, le gars il dit, ici il a les 25 plats qui te donnent 10 dans les 10, yo, on se parle toi aussi. et puis tu as donné l'autre partie à je sais ce qu'il s'appelle, Aziz 47. Il va bien Aziz, il est à Abidjan? Oui, il se fait très bien, mon papa. D'accord, là. Je pense qu'il faut le dire à Guy, pas comme celui qui dit, dédié à Skovic, qu'il te reçoit à la radio bientôt. Ok, pas le souci. Ok, ça marche, voilà. Les gars, là, c'est le. Ça s'appelle le tabouret chaud. C'est des questions assez chaudes, là. D'accord. Brûlantes, même. Voilà. Il y a un manager. Manager, il dit viens pas là. Voilà. Lui, il est habitué au manager. Les gars, dites-moi. Que répondez-vous à ceux qui vous traitent de clown de la musique? Moi, vous deux. Nous deux. La question est adressée à vous deux. Dinako, plaisir et manager confirmé. Bon, Dinako, moi, de commencer. Dinako, vas-y, tu réponds en premier. Bon, rapproche-toi du micro. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a traité de clown d'abord. Mm-hmm. Voilà, personne ne m'a traité de clown. Et si quelqu'un me traitait de clown, c'est lui qui voit, quoi. Ok. Voilà, moi, ça ne me dérange pas. Ça ne te dérange pas? Ça ne me dérange pas, c'est lui qui voit. Ça ne te dérange pas d'être un clown de la musique? Quand il dit clown, et quand il dit ça ne me dérange pas, c'est lui qui voit. Mm-hmm. Voilà, c'est son avis. Ok. La vie est personnelle. Donc, si lui dit moi aussi clown, il n'y a pas de souci. C'est lui qui voit. Il y a certaines personnes aussi qui me voient en tant qu'un artiste aussi. Ok. Manager, et toi? Moi, il y a beaucoup de personnes qui m'ont traité de clown. Plein de personnes disent non, toi, tu es un artiste clown, mais. Bon, moi, je dis là, je n'écoute pas ce que les gens disent à gauche, à droite, c'est artiste clown, tu n'es pas artiste clown. Clown, mais voilà. Amusé public. Je n'écoute même pas. Parce que moi, mon objectif là, devant, je vais avancer et je vais atteindre mes objectifs. Donc, clown, objectif, pas clown. Je prends ça et puis je mets ça derrière et puis je me prie, j'ai ça. Et puis j'avance. Ok. À boire. Les gars,
Dinako Plaisir, on a déjà confirmé. Dites-moi, est-ce qu'aujourd'hui, vous seriez prêt à collaborer avec un autre artiste qui vous demande d'être son manager? Moi, franchement, bon, Dinako alors. Moi, personnellement, et après l'histoire avec mon artiste, il y a plusieurs artistes qui m'ont appelé, plusieurs même. Mais il a dit non, c'est pas la peine. Pourquoi c'est pas la peine? Non, c'est mieux, il va me concentrer sur moi, mon vieux. Si il veut aider là, mes petits frères qui sont dans ma team à moi, il va les aider. C'est mieux. Ok. Manager et toi? Moi, je ne peux pas être manager, je peux être producteur. Ok. Je ne peux pas être manager encore. Ouais. L'évolution. Je ouais. producteur. Manager confirmé, s'il devrait collaborer avec un artiste ou coacher un autre, il serait producteur, c'est cela? Il serait producteur. D'accord. Mais dites-moi, aujourd'hui, vous êtes des artistes, hein, des chanteurs, comme vos ex-poulets. Est-ce que vous seriez prêt à faire des featuring avec ces derniers-là? Dinako, est-ce que tu es prêt à faire un featuring avec non, Baby moi, ça Sans demain? Pas. Moi, je ne suis pas en guerre, lui. Je ne suis pas en palabre, juste qu'il a décidé de me mettre à l'écart à cause de beaucoup de choses. Sinon, je ne suis pas en palabre avec lui. Malaja, et toi, tu es prêt à faire un featuring avec lui? Je peux faire un feat avec lui, mais pas pour le moment, quoi. Ok. Je peux faire un feat avec lui, mais pas pour le moment. D'accord. Les gars, aujourd'hui, vous deux, vous êtes des artistes. Hein. Oui. Entre Dinako Plaisir et Malaja Confirmé, qui est-ce qui pèse lourd? Il faut être véridique. Okay. Le manager, parce qu'il a été là sur le terrain avant moi. Voilà. Et puis chaque chose a son temps, c'est son temps. Donc là, mine de rien, il faut l'encourager aussi. Voilà, c'est lui qui est là actuellement. Voilà. Et n'oubliez pas aussi qu'il a pris le prix de l'étoile montante. L'étoile montante du coupé décalé. Donc, manager, tu as plein de sous là maintenant. Comment? Tu as plein de sous maintenant. Bon, l'argent. On peut dire un peu de sous. Un peu de sous, ok. Ouais. Dites-moi, de manager à artiste, est-ce que vous avez déjà rêvé à ça? Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Dinako, lui, on peut dire qu'il chantait, mais toi, manager, oui. Particulièrement, est-ce que tu avais déjà pensé à être joli, pardonner à la musique, arriver à ce niveau-là? Pardonner à la musique, comment? Faire de la musique, quoi. Oui, j'ai pensé à ça depuis quand j'étais au village. Parce que moi-même, dans ma famille, là, il y a une danse, on appelle ça. Chaque pas que les gens dansent, on appelle ça okay. Alia Jo. Alia Jo. Ce sont mes grands-pères, là, c'est eux qui chantent, c'est eux qui dansent. Donc, ça veut dire la musique, même, là, ça est dans nos familles, mais c'est traditionnel, quoi. Moi, je peux chanter en baoulé. Si je chante en baoulé, je peux chanter en baoulé propre, même. Mais comme souvent. Ok, super. En tant qu'étoile montante du coupé décalé, il faut que je fasse coupé décalé. C'est comme n'ont plus une charge pour me donner. D'accord, une charge, ok. Une charge. Ouais, d'accord. C'est un héritage, en fait. Oui, Manaja, dis-moi, tu es marié maintenant, là? Tu as une bague, là? Oui, je suis marié. Tu es marié? Oui. À qui? Ah, et ma femme? Oui, ça fait combien de temps? Bon, ça fait au moins 3 jours. 3 hein. jours? Oui. Félicitations! Félicitations, Manaja. Oui. C'est qui, ça vaut des galets ou bien? Vous avez des enfants? Non, pas encore. Mais c'est go de galère ou bien c'est go de... Non, c'est go de maintenant. Elle c'est go de réside. Oui. Elle est à Paris. Oui. La rencontre s'est faite comment? Aïe, on peut faire... Comment vous êtes rencontrés, madame? Mais comment vous êtes rencontrés? Moi, j'ai rencontré ici à Abidjan et puis elle est partie à Paris. Elle est partie à Paris. Mais elle go avant elle, là, ta go de galère, là. Mais go de galère, mais elle dit elle vient plus de moi. Parce que maintenant, comme elle voit que maintenant, elle brille un peu, là, tu veux venir. Moi, je suis pas dedans. Mais en parlant de go, là, tu avais dit que tu sortais à une go de coupé décalé. Moi, il est revenu. Mais oui, il sortait à une go de coupé décalé. Son nom commence par B. Aujourd'hui, là, par exemple, nous dit c'est qui. Non, il va dire le nom. B. Flemmy. Elle est à Poujou. Mais oui, elle est à Poujou. Et puis ici, là. B. Et puis mince comme ça. Est-ce que tu es sûr que c'est pas une frappe? Tu es sûr que tu es sorti avec une go du coupé décalé. Tu n'oses pas dire de donner son nom. Il va dire son nom parce que. Elle est à Abidjan ici. Elle est à Abidjan ici. Ah ouais? Je ne veux pas. Elle fait quel style de musique? C'est que coupé décalé, tu as dit. Ah, mais c'est quoi le concept? C'est quel concept elle fait? Elle laisse ça. Son nom commence par B. Son nom commence par B. Elle est grande de taille moyenne ou coûte? Elle est grande de taille. Mais madame, c'est une ex-danseuse? Non. Il sait pas que j'étais danseuse. Mais manager, vu que madame est à Paris, toi t'es ici là, comment ça se passe? Généralement. Le mariage a été fait où même d'abord? Oui, mariage. Le mariage, vous l'avez fait où? La mairie. Ah, la mairie. Dans quelle mairie? Ah, le vieux. Mais de Yopougon, Cocody, tout ça. Elle est donnée, elle est là. Moi, d'abord, je t'ai parlé, c'est des scoops. Madame est mariée depuis. À la mairie de Yopougon. C'était quand? Il y a 3 jours là. Autant juste là. Ouais, je vais appeler pour demander le registre là-bas. Madame, elle est partie en France. Comment vous vivez à distance? Elle est là en ce moment, mais elle vit en France. Elle vit en France. Excuse-moi. Elle est française. Madame, c'est quoi ton nom à l'état civil?
Kwadio Kofi parfait. Ricky, tu notes à Kwadio Kofi parfait. On va vérifier là-bas. Dinako, plaisir. Vas-y. Ouais. Un message à lancer à l'endroit de Bébé Sans Rose demain. Ton gars. J'aimerais dire à Bébé Sans Rose demain, les Kadhafi de couper des Cali. Pourquoi? Bon, de bosser et puis comme il a si bien dit à l'émission de Willy que lui il faisait ses morceaux avant de me connaître tout ça et autres, avant même qu'il me pose dans ses morceaux. Donc je pense qu'il va me démontrer qu'il est vraiment fort en musique. Il va faire un morceau seul où il va démontrer à la nation qu'il est vraiment dangereux. Parce que moi, il a lui montré qu'il y a la gorge et que c'est moi qui pose dans ses morceaux. Ok. Voilà. C'est le coupé décalé, c'est le game, c'est lancé. D'accord. Manager, dis-moi, et toi, un message à l'endroit de Didier Congélateur. Bon, moi, c'est mon fils. Je lui souhaite bonne vent. Je prie Dieu toujours pour lui. Parce qu'on dit... Souvent, il y a les choses, moi, ça me fait très mal. Ok. Parce que tu ne peux pas élever ton enfant et puis après, ton enfant devient autre chose. Tu vois que ça fait un peu mal. Même si toi et puis la personne, vous n'êtes plus ensemble. Mm. Mais quand j'attends certaines choses. Avant, il a fait une petite vidéo, il m'a souhaité. J'ai dit, donc, bon, ça m'a touché, hein, franchement. Il a dit quoi dans la vidéo? Il a dit, non, il souhaite. Bon, je n'ai pas maintenant déjà confirmé que Dieu te garde, que Dieu te protège. J'ai regardé la vidéo, ça m'a touché. Moi, mais je l'ai envoyé et dit, pense à toi, mon frère, qu'on est ensemble. Bon. Ok. Ah, sérieux, ça touche. Bon, sérieux, ouais, c'est touchant. Dites-moi, vous deux, est-ce qu'il pourrait y avoir une collaboration, un featuring pour que vous puissiez relater ce que vous avez vécu dans l'industrie musicale? Enfin, avec vos poulets. Oui, ça peut. Ouais, c'est possible. C'est possible. Donc, faites un petit truc déjà. Oui, pardon, mon directeur, vas-y. Oui, je voulais rapidement demander, les proverbes du bébé sans os demain, là, c'est toi qui lui donnais ou bien c'est lui-même qui créait? Bon, il donnait aussi des proverbes, lui aussi, souvent aussi. Ouais, tu as donné quel proverbe, par exemple? Hein? Tu as donné lequel des proverbes? Et caca n'est pas piquant, mais quand tu manges. Tu vois, il y a un proverbe qui me plaît, là. On va dire le déchet. Caleçon n'est pas lourd, mais on prend. Voilà, demain, ça aussi, c'est moi qui ai donné ça. Ah, aussi. Ok, d'accord. Bon, d'accord. Donc, on ne sait jamais. Au cas où il y aurait, comme on appelle ça, une collaboration à venir, nous, on veut l'exclusivité. Faites-nous un petit truc, un petit feat ou deux. Ok, pas le qui commence d'abord. Tu m'as pas fait un truc. Est-ce qu'il y a un beat ici? Coupé décalé. Coupé décalé. Mets le deuxième. Le quoi? Le D6 en bas. Oui. Ouais, ça. Non, ça c'est mon poulet tremblé. Oui. Non, poulet tremblé. Papa me dé quoi? Non, ça c'est. Fuite avec quoi? Kérosène. C'est qui? En exclusivité sur Life Radio, dans le grand show. Oh ben, faut commencer, commence. Vas-y, na yo. La danse du cœur, la danse du cœur, la danse du cœur. Tu pratiques quoi, matigidi? C'est matigidi, coutou, matigidi, matigidi, coutou. Et la danse du cœur, manana danse du cœur. Bébé la mande du cœur, mande du cœur, mande du cœur. Danse que danse du cœur, danse la danse du cœur, danse la danse du cœur. Quand tu te passes la danse du cœur. Tout le monde, la danse du cœur, la danse. Chuchuna, 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 chuchuna. Tout le monde, apprends les bandits, tout le monde, danse, Dinako Plaisir en exclusivité, on
en featuring avec voilà, tu as confirmé. Ricky, à demain. Ricky, à demain. Modérateur, à demain. À demain. École, à demain. Allez, manager, tu reviens quand tu veux. Oui. Mais pas demain. On peut pas saluer certaines personnes. Allez, dis-la quand tu reviens quand tu veux. Mais pas demain. Oui, vas-y, vas-y. D'abord, je dis merci beaucoup à C'était Paris. À mon concert. Le jour de Ramadan à Feke Dougou et puis Ouagolo Dougou. Ok. Donc j'ai dit merci à tous ces parents qui ont payé mes tickets. Ok. Allez, Dinako, au revoir. Okay, voilà. J'aimerais dire aussi à toute la population du Mans que je serai en semi live le 20 avril. Okay. Voilà, au niveau de Sahari, à l'espace Mess. Voilà, l'entrée c'est 2000 francs, VIP 5000 francs, le 20 avril, au niveau du Mans. Merci. Allez, ciao, ciao.